Et on se retrouve pour cette deuxième session de notre, de notre table ronde au Festival international Nature Namur pour la 30e édition. Alors cette fois-ci, je vais plutôt permettre à, notre, à nos invités de se présenter eux-mêmes en fait. Euh, tantôt, c'est moi qui les ai présentés, mais ce que j'aimerais bien, euh, c'est avoir euh, de chacun de vous un souvenir euh, impérissable euh, d'une rencontre, un souvenir où vous avez été émerveillé, où vous avez dit, en fait, euh, voilà, c'était simple, mais c'était beau, ça m'a plu, et j'ai envie que, euh, envie que ça, se, ça se repasse à nouveau, euh, évidemment en lien avec la nature. On est, euh, on est au Festival International Nature Namur. Et donc, euh, Nicolas, tu veux commencer non, c'est bon. Et là, c'est ouvert Oui, ouais. c'est ouvert. Ben, bonjour à tous et toutes. Moi, c'est Nicolas Dubois. Je suis photographe, vidéaste, animalier et de formation à un Gagro Et moi, si j'avais un super souvenir euh, en... avec la faune, ça, reste, euh, ça sera toujours, je pense, pour, en tout cas pour longtemps, les chouettes effraies. Euh, les chouettes effraies avec leur visage assez humain, en forme de cœur, euh, au pied d'une église, euh, derrière les tombes, donc dans une ambiance... Euh, un très peu noire, mystique, très sombre, ouais. Puis mm -hmm. dans une année pas facile, donc vraiment tout tout qui allait avec. Et euh, puis là une petite tête blanche et euh, fabuleux. <laughs> une, deux, trois. Un peu plus. Non, moi je prends le premier souvenir au contraire qui pop dans mon esprit. Je, je me souviens de ces de ces tritons qu'on trouvait par par centaines, dans les petites marques, les chevaux de trait, les chevaux lourds ou les vaches de race ancienne vont créer dans les, dans les champs. Et on récoltait ces tritons à la main, on les, on les, on les observait de près. C'était extraordinaire que de, de voir ce vivant qui s'insinue dans l'agro-système, notamment. Moi, j'ai des souvenirs comme ça de cette faune sauvage qui s'imbrique dans nos activités, dans nos campagnes. Et c'est ce qui nous façonne quand on est petit et ce qui nous donne, je pense, envie de faire nos métiers. Super. Euh, donc moi je suis Léa Colopère, je fais des documentaires animaliers et des photos. Et donc euh, moi si j'avais un souvenir vraiment qui m'a vachement marqué, c'est que du coup, bah, depuis toute petite, vraiment j'ai eu une passion pour, pour, pour la nature euh, grâce à mon papa. Et euh, bah, pendant l'adolescence, on veut forcément pas faire ce que font nos parents parce que bah, voilà, on, au bout d'un moment, on en a marre de voir que des libellules, etc. On a envie de vivre d'autres choses. Et après, je suis partie en études à Angers. Et je me suis retrouvée bah, couper de la campagne et couper de la nature. Et à un moment donné, j'étais, euh, en fait, je me rendais pas compte à quel point ça me manquait parce qu'à un moment donné, j'étais en train de boire un coup avec des copains sur, la, sur une terrasse et j'ai vu sur mon verre euh, une, un petit animal que j'avais jamais vu de ma vie, euh, qui était en train de bouger de façon très étrange. J'avais jamais fait attention à ça avant. En fait, c'était une petite araignée sauteuse qui était en train de parader, une petite scytis barbipes. Et du coup, bah, j'ai une je, voilà, de, de là a commencé une fascination pour ces petites bêtes-là et et voilà, ça m'a beaucoup marqué euh, ce, cette rencontre avec cette petite araignée. Donc, euh, Théo Le Barbanchon, je suis digne naturaliste et je m'amuse à faire sur YouTube des vidéos sur les animaux, etc. Et un souvenir, j'avoue, il y a tout qui me fascine dans la nature, tous les tas de sons, etc après un souvenir assez chouette euh, c'est lors d'un recensement amphibien avec des amis on devait essayer de trouver le sonneur à ventre jaune un petit crapaud assez rare euh, et on n'a pas du tout trouvé de sonneur mais dans une petite mare on a trouvé une grosse crevette d'eau douce euh, ce qu'on appelle les grands Ce c'est pas du tout connu, c'est très rare et on ne savait même pas que ça existait et le fait de découvrir une espèce on ne savait même pas de ça pouvait être présent c'était incroyable et depuis cette découverte la zone est, cla est classée comme protégée grâce à cette bestiole et c'était la première fois que la mare avait été creusée. Et quand on a regardé dans les archives, euh, c'était avant une zone humide, dans les années 1800. Et après, ça avait été rebouché. Sauf que ces petites bestioles-là peuvent faire des œufs qui vont survivre plusieurs centaines d'années. Et du coup, bah, quand le propriétaire a recreusé sa mare, bah, il a fait remonter ses petits œufs, qui étaient là depuis peut-être 200 ans. Et du coup, euh, la crevette a pu à nouveau vivre grâce à ça. Et donc, c'était assez chouette comme souvenir. C'est impressionnant. Euh, du coup, Adrien Favre, je suis photographe animalier. Euh, pour ma part, euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, plein, plein d'espèces qui, qui me faisaient rêver étant enfant, mais je pense que finalement, celle que je retiendrai, ce serait ma première vraie rencontre avec un renard en France. Parce que c'était chez mes parents, Loire-Atlantique, dans une région où ils sont très persécutés, très chassés, donc ils sont voilà très difficiles à voir. Et puis c'est une recherche que j'ai fait avec mon petit frère à l'époque. Ça remonte à, à presque plus de dix ans. Hein. Mais la première rencontre de cet animal, comme ça, qui est finalement très commun dans nos campagnes, cette première confrontation avec un renard, pour moi, c'est c'est un souvenir. Euh, incroyable et ça prouve qu'on n'a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde ou de voir des espèces extrêmement rares pour, pour s'émerveiller de la nature. Il oui. eh ben y a plein de choses en fait, donc j'avais du oui. mal à, à trouver parce que je crois qu'on est tous hyper passionnés et donc il y, y, y a plein de rencontres qui nous fascinent. Euh, je pense que moi, vraiment, euh, une des, des rencontres qui m'a bouleversée, c'est quand j'étais sur le, le suivi du loup, donc en France, dans les Alpes. Donc Sandra Bérénice Michel, je suis photographe et, et vidéaste, je reprends à zéro déjà. Et, euh, et en fait, pendant ce suivi, j'ai découvert d'autres espèces. En gros, cet animal m'a amené à, à, à m'émerveiller sur beaucoup d'autres choses, et notamment le pic tridactyle qui est, qui est un pic vraiment assez rare. Et j'ai eu la chance euh, de le voir et de découvrir en, en pistant en fait euh, les loups et, euh, et faire tout le suivi en fait de, de, du premier couple qui s'est installé dans le massif. En France, il faut savoir qu'on a potentiellement entre 1 à 100 couple, enfin, on ne sait même pas trop. quoi, euh, Et donc j'étais juste ravie d'être de, de, un peu le, le témoin privilégié du retour de cette espèce dans, dans mon massif de montagne. Et, euh, et encore cette année, il bah, y, y a eu des petits quoi. Et, et en fait, quand j'ai, c'est aussi notre rôle, c'est ce que tu partageais là juste avant. Quand j'ai su que cette espèce arrivait sur sur le milieu, j'ai pu euh, j'ai pu en faire part. Donc c'est l'ONF chez nous, aux agents de l'ONF qui ont su classer en fait la zone. Et donc on a eu toute une partie forestière qui a été mise en, en protection euh, grâce à ça. Donc euh, ça fait du bien de rencontrer ces espèces et en même temps euh, voilà. Et de savoir le que ça réagit derrière aussi dès que. Ouais dès qu'on trouve une espèce qui était, on va dire, inconnue, ou en tout cas, plus connue à ces endroits. quoi. Super. Ben, euh, nous, ici, on va parler, cette fois-ci, de coexister avec le vivant. Euh, c'est un thème très large, euh, mais, euh, mais je pense quand même qu'il y, qu y a pas mal de choses à dire. Enfin, on va essayer de d'amener quelques petits thèmes là-dessus. Mais euh, comme avant-propos, c'est vrai que... On a eu quand on a préparé un peu cette table ronde, on était un peu tous d'accord pour dire que le Covid euh, il y a quatre ans a quand même bousculé pas mal de choses. On s'est tous retrouvés un peu enfermés chez nous, euh, et, euh, et c'est vrai que quand on a pu ressortir, euh, enfin, déjà quand avec tout le calme qui avait, la, la nature est revenue un peu dans les villes. On, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, clairement, euh, il, il pouvait réinvestir les villes si on, si on disparaissait, il, il revenait. Et une fois ce Covid un peu terminé, on, a, on est tous ressortis un peu dans la nature. On est allé dans la montagne, on avait un besoin de, de se ressourcer. Et euh, clairement, ça n'a pas été sans mal euh, parce qu'on euh, a vu un boom euh, complet dans, 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 les, dans les montagnes, dans les forêts. Les gens avaient besoin de ressourcer. Et donc, ça a créé un gros, on va dire, traumatisme chez, chez, chez les animaux en général. Mais, euh, mais du coup, clairement, ça pose la question sur euh, comment est-ce qu'on peut coexister avec le vivant pour à la fois nous euh, pouvoir profiter de cette nature et en même temps euh, pouvoir la laisser euh, s'exprimer, elle, euh, pouvoir éventuellement réinvestir nos villes. Euh, alors, certains animaux le font euh, en Belgique, en France, en Italie. Euh, C'est pas forcément euh, tout, toujours évident, ça, ça crée quand même pas mal de problèmes. Euh, parce que, euh, on va dire, parfois, ils sont, ils sont nommés comme indésirables alors qu'ils sont juste là. Euh, Est-ce que vous... vous ben voilà, On a parlé du renard, euh, effectivement, tout à l'heure, euh, qui, qui, lui, est, est parfois, euh, est souvent, en fait, euh, nommé à tort comme, comme nuisible. Effectivement, il est... Il vient un peu s'attaquer aux poules. Euh, il a cette fâcheuse réputation de s'attaquer aux poules. À chaque fois, on lui remet, euh, on lui remet cette... Euh, cette faute-là, euh, comment est-ce qu'on peut euh, quand même s'émerveiller du, du vivant qui vient chez nous, euh, alors que parfois il, il, détruit, euh, il détruit un peu ce que, ce que nous on chérit quoi. Enfin, on, on passe du temps avec ces petits êtres et tout d'un coup on les, re, on les retrouve. Euh je reviens un peu sur le début de ce que tu as dit pour partir un peu sur du positif. Mmh. Euh, ouais. Je refais peut-être le lien avec ce qu'on a, qu a partagé tout à l'heure avec les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que qu'il ouais, voilà, y a eu ce, ce boom. Euh, les réseaux sociaux, ils ont complètement euh, contribué. Euh, il y a eu notamment, par exemple, chez nous, un, un hashtag, Wild Photo at Home pendant le Covid, qui a développé vraiment un engouement en fait de la plupart des gens qui s'étaient enfermés chez eux à observer les petits oiseaux. En fait, Qu'ils avaient à la fenêtre, ou pour ceux qui avaient la chance d'avoir un jardin au jardin. Et, et derrière, bah, effectivement, il y a eu de plus en plus de, de photographes, mais mm -hmm. des gens qui, pour avoir encore accès en fait, à cette faune, pouvoir l'observer, ont peut-être installé plus de mangeoires, plus de nichoirs. Et ça, pour le coup, peut-être que ça a apporté finalement quelque chose de, de positif. OK. Il y avait quelque chose notamment avec le, le coronavirus, c'est qu'on avait beau tous porter des masques, on avait un grand besoin de respirer, de s'aérer. Et en fait, ça a été, on a cru peut-être aussi à tort que ça allait être un espèce de renouveau, une prise de conscience sur l'écologie, sur la planète, la protection des, des animaux dans son ensemble. Mais j'ai l'impression que ça a été un peu une vague qui s'est créée et finalement, qui, qui et est, est retombée assez, qui, qui retombé assez vite et mmh. on n'est pas vraiment allé au bout des choses. Tu soulignais tout à l'heure notamment pour, pour le renard, c'est vrai que moi, par exemple, le coronavirus, ça a été le... le euh, comment dire un le déclencheur de plein de choses, notamment le fait de quitter euh, euh, des, des milieux urbains pour aller vraiment vivre à la campagne, dans des dans des petits villages, et du coup aussi de me confronter moi, euh, voilà en tant que en tant qu'être humain aux animaux et un peu sortir de cette société humaine euh, anthropisée qu'on a qu'on a construit depuis des siècles, et de me confronter vraiment à la vie sauvage. Tu parlais des poules notamment, moi ça a été aussi le, le début du fait d'adopter de, de, des poules, mmh. d'avoir des poules chez moi, et puisque je passais mon temps à dire que bah, que fallait pas tuer les renards parce qu'ils attaquaient les poules, et que c'était pas bien, mais j'avais envie aussi de savoir comment c'est de cohabiter avec, euh, avec la faune sauvage quand on a des, des, des animaux auxquels on tient et puis qu'on qu a très peur finalement qu'il leur arrive quelque chose. Et en fait, on s'aperçoit finalement qu'on a toujours tendance à remettre toujours la faute sur le vivant, sur, le, sur les animaux sauvages, mais sans vraiment se remettre en question. Parce qu'en fait, il faut le dire, quand on a une attaque sur notre poulailler, c'est parce qu'il n'est pas protégé suffisamment. Ce n'est pas la faute du renard. On est là à imposer un discernement à des animaux qui ne l'ont absolument pas. Ils n'ont pas du tout la même notion de propriété que l'être humain a, par vrai. exemple. Et du coup, ils vont pas se poser la question de savoir tel animal je peux le prédater ou tel animal je ne peux pas le prédater. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, à notre époque. De comprendre qu'il faut redonner une place aux sauvages, réensauvager un peu nos vies, et voilà, et se confronter voilà à la réalité du vivant et, et à la nature, parce qu'en fait, euh, c'est pas si difficile que ça de cohabiter si on en a vraiment l'envie et si on prend conscience que finalement, bah, la nature c'est notre meilleure assurance vie pour l'avenir et que on doit la protéger. Parfait. C'est vrai que tant qu'on est dans l'élevage, euh, je pense Rémi, euh, toi, tu en connais quand même un petit rayon. Euh... Là-dessus, étant donné que toi, tu viens des Pyrénées où il y a, euh, bah, il y a du loup, il y a de l'ours, mais toi, tu es éleveur, en plus d'être euh, vidéaste, réalisateur. Comment ça se passe, toi, de ton côté, la coexistence, la cohabitation il y, a, il y a un terme qu'on a un peu oublié, c'est que la, la, la vie domestique, c'est une forme de biodiversité. Mm -hmm. C'est une biodiversité adaptée à des paysages. Aujourd'hui, si on consomme en grande majorité des races industrielles issues d'un système d'élevage industriel, qui d'ailleurs ne mériterait même pas le terme d'élevage. Hein, le qualificatif d'élevage. Euh, ben cette biodiversité, elle, elle a, de par sa proximité des hommes, elle a des choses à nous apprendre. Et elle est souvent un sas entre la vie des hommes et la vie sauvage. Et c'est en ça que moi je la vois. Et je, voilà, j'élève des races anciennes que j'essaie de conserver à ma modeste, euh, à ma modeste échelle. Euh, mais c'est un travail très collectif de plein d'éleveurs amateurs en France et, et probablement en Belgique aussi et dans plein de pays. D'ailleurs, la Belgique est très connue pour l'élevage, l'élevage le de ces, la conservation de ces variétés là, qu'elles soient végétales ou animales. Et et effectivement, il y a une question autour de la cohabitation avec le prédateur et l'éleveur responsable de la vie de ces animaux qu'il détient, puisqu'il y a une notion de propriété, hein, hélas, ou, ou, ou tant mieux, ça je ne jugerai pas, mais il y, a, il y a cette notion de propriété, et on doit protéger l'animal qu'on euh, qu détient. Mm -hmm. Et donc, euh, évidemment, ça sous-entend euh, des difficultés quand on coexiste avec... Euh, quand on doit coexister avec le renard quand on est éleveur de poules, ou avec le loup ou l'ours quand on est éleveur, au vin, caprin, voire bovin, euh, équin ou autre. Et effectivement... Euh, moi, le, le, je ne vais pas rester trop longtemps avec, avec le micro, mais c'est pour parler. Euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de parler d'acculturation. C'est de parler de ces savoirs euh, cohabitants qu'on a perdus avec euh, le recul de la présence de ces grands prédateurs qu'on a mm -hmm. exterminés, que ce soit les apex ou les mésoprédateurs. On les a exterminés, on les a fait reculer. Aujourd'hui, on se rend compte oui. qu'ils étaient indispensables aux écosystèmes et leur retour, la cohabitation due à leur retour, euh, se réapprend. Donc, c'est réapprendre des codes, des attitudes, des comportements. Et pour ça, il faut s'intéresser à la biologie de ces espèces. Et c'est un très long chemin. Quand le, le loup ou l'ours viennent de revenir, il y a une période charnière qui est une période de crise. Il faut réussir à la dépasser pour réentrer dans une, une phase de coexistence. Et ce n'est pas seulement nous qui devons réapprendre à coexister c'est aussi ces animaux-là qui doivent réapprendre nos codes et les limites euh, qu'il est important d'imposer. J'ai essayé de, de synthétiser. <laughs> de synthétiser. <laughs> euh... Ben euh, très bien. Qu'est-ce qu'on <laughs> Mais si quelqu'un veut dire quelque oui, chose. Oui, le, si quelqu'un veut dire La quelque coexistence chose avec ces animaux, elle est à tout point de vue, il y a l'élevage oui. mais pas seulement. C'est parfois... Euh, non, mais dans la les, dans les question de, de, de cascade trophique, de réorganisation des écosystèmes, parce que le grand prédateur est de retour, il y a d'autres usagers de la nature, parce que la nature, ce n'est pas que les naturalistes, les espèces sauvages et, et, les, et la forêt ou les, les milieux, c'est euh, aussi euh, d'autres usagers, qu'ils soient pour le loisir, la chasse, la randonnée, la pêche, enfin, il y en a beaucoup d'autres. Oui, notamment on a des, des, des conflits d'usage qui, euh, qui, en tout cas en France, peut-être qu'en Belgique ça va arriver aussi en masse, mais on a beaucoup de randonneurs et en fait aujourd'hui on a de plus en plus forcément de chiens de protection en montagne mmh. et ça devient compliqué pour, pour le randonneur de, de naviguer en fait dans ces territoires. Euh, parce que forcément on ne sait plus parler chien on sait quelque chose qu'on qu a perdu donc il y a des codes euh, avec ces chiens-là qu'on n'a pas des réactions qu'il faut réapprendre comme tu disais euh, face, à, face à, ces, à ces animaux et, euh, et tout ça c'est des contraintes en fait que certaines personnes n'ont pas du tout envie euh, de, de, de s'infliger euh, bon, les randonneurs, voilà, il y en a quelques-uns qui n'en euh, ont pas la volonté. Mais quand tu disais tout à l'heure qu'on on peut coexister, il y a effectivement beaucoup d'espèces avec lesquelles euh, l'humain n'a pas la volonté en fait de, de coexister. Euh, le renard, le loup, l'ours, euh, voilà, ce sont des, des grands prédateurs avec lesquels on a... il y a beaucoup de tensions, quoi, forcément. Et, euh, et, et ça s'entend, en tout cas pour les pays où, où l'animal avait disparu, parce qu'il euh, y a eu un, une forme de. Do, de... En tout cas, pas de conformité et d'amélioration dans, dans la profession pastorale. Euh, avec du temps qu'on pouvait euh, qu'on pouvait vraiment donner à, à d'autres activités, peut-être plus de temps sur la traite, plus de temps sur l'administratif, alors que maintenant ça demande un, un, presque un temps complet sur la surveillance de, de nos animaux. Et, euh, et ça c'est quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à, à faire aujourd'hui et c'est ce qui crée de, de grosses tensions aussi. Alors après la question c'est voilà comment on fait. Il y, a, il y a effectivement certaines solutions, mais il faut aussi euh, les accueillir, euh, notamment des bénévoles qui viennent euh, en aide à, à ces personnes-là euh, pour les aider sur euh, sur la surveillance des troupeaux ou des choses comme ça et puis des moyens de protection dont on peut aussi euh, parler, mais Je vais te... passer le micro. Ouais. Le... Avec le retour du loup justement, on va avoir énormément de bénéfices hein, sur l'écosystème. C'est vraiment une espèce de clé de voûte. C'est comme la plupart des grands prédateurs. On imagine souvent que c'est les prédateurs qui vont, on va dire, euh, influencer les, les proies. En réalité, c'est l'inverse. C'est les proies qui vont fluctuer sur les euh, sur les prédateurs. Euh... En fait, le, le loup, le fait qu'il revienne, ça, ou même d'autres prédateurs, ça peut être le renard, l'ours, etc., ça, ça va créer une sorte de filtre génétique sur les espèces. Aujourd'hui, on a beaucoup de, de maladies. On a peur aussi des maladies. Par exemple, la maladie de la rage, etc., qui a totalement disparu. Euh, mais même, par exemple, le blaireau, etc., qui euh, peut causer parfois, dans certains cas très rares, ça peut en donner des maladies au bétail, etc. Le fait que les prédateurs reviennent... Ça va créer un filtre génétique. Tous les animaux plus faibles, malades, etc., souvent vont se faire manger en premier. Et on a remarqué qu'avec le retour du loup, les populations de chevreuils, de cerfs et les proies qui étaient justement euh, chassées étaient en meilleure santé et avaient beaucoup moins de maladies. Et seuls les plus forts survivaient. Et du coup, aujourd'hui, avec la disparition des prédateurs ou la chasse, par exemple, aux renards, aux blaireaux, etc., eh ben, on a plus de maladies. Bon, par exemple, on a la maladie de Lyme qui se développe énormément. Où à l'endroit il y a la chasse au renard, parce que pour le, le tic, il y a besoin de premiers pour ses premiers stades de développement, il, il faut des mammifères. Mmh. Et donc la maladie de l'âme explose à ces endroits-là. Et donc le fait que ces prédateurs là reviennent, c'est un atout énorme, même pour la régénération forestière. Euh, on se plaignait beaucoup que les chevreuils, euh, même d'autres cervidés, mangent énormément les jeunes pousses. Et du coup on faisait beaucoup de chasse sur ça. Mais évidemment il y avait de la chasse sur autre chose. Et le fait que le lourd revienne, bah du coup ces cervidés ils sont moins nombreux. Enfin, ils sont peu, il y a beaucoup moins de cervidés, ça marche très bien. Par exemple, dans la Drôme, on a une diminution de 30% du chevreuil du sanglier dû au retour du loup. Et donc, on remarque une meilleure régénération forestière. Donc voilà, ça, c'est des points à prendre en compte. Malheureusement, aujourd'hui, avec l'économie actuelle, ces prédateurs ont du mal à faire leur place. Et ce qu'il faut faire, bah, c'est peut-être réapprendre à recréer des zones sauvages, parce qu'eux, ils quasiment plus rien maintenant. Euh, en un siècle, ça a énormément évolué. On a beaucoup plus d'agriculture intensive, d'agriculture forestière, hein, de l'agroforesterie. Beaucoup de, de forêts actuelles en France ou même en Belgique, c'est plus des jardins cultivés, c'est des champs de maïs géants. Les, les, les énormes couloirs d'épicéa, il n'y a pas grand-chose dedans. Sachant que certaines, euh, certaines agences forestières utilisent des pesticides dans ces, euh, ces endroits-là. Donc voilà, il faut apprendre à vivre avec les prédateurs parce que pour l'avenir, même pour tout l'écosystème, c'est vraiment important. <laughs> Sauf si tu veux continuer sur les prédateurs euh, oui, je voulais juste dire un petit mot, en fait. Le, le retour des grands prédateurs, en fait, il nous réapprend à vivre avec le sauvage, en fait. Parce qu'il y a quand même aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé, en fait, c'est que si on prend la biomasse des mammifères terrestres sur la planète à l'heure actuelle, il y a 36% qui sont des êtres humains, 60% qui sont des animaux domestiques élevés pour nourrir l'humanité et seulement 4% sont des mammifères terrestres sauvages. C'est quand même très important de le dire, en fait. Est-ce en fait, la question qui se pose aujourd'hui, c'est tout simplement est-ce qu'on leur laisse encore une place à ces animaux est-ce qu'ils ont encore des espaces sauvages pour évoluer euh, libre et euh, en fait en totale liberté et, et loin des intérêts humains euh, et dans leur juste, unique et propre intérêt. Ben, Si on prend en fait les chiffres dans leur ensemble, par exemple on va prendre euh, les ovins tout bêtement, il y a 7 millions d'ovins en France, c'est énorme pour donner, euh, pour donner un ordre d'idée. Vous avez 2 millions aujourd'hui d'ovins dans les alpages, même dans les parcs nationaux euh, en France. Donc en fait, où est la place du loup dans tout ça C'est aussi peut-être réapprendre à redonner une place aux animaux sauvages et surtout aussi peut-être à revoir nos modes de vie, notre consommation de produits animaux. Il y a énormément de choses à revoir et vraiment à, à, à vraiment comment dire prendre en considération qu'on n'est pas les seuls animaux sur terre en fait. On a tendance à l'oublier parce qu'on a un, un grand singe de la famille des hominidés, mais on n'est pas le seul animal sur terre et d'autres animaux ont le droit d'avoir encore une petite place. Moi, ouais, c'est simplement pour ajouter à ce que tu dis, c'est que dans l'histoire. On a rompu de plus en plus avec notre part de nature, la part de nature dans ce monde, et que là, on arrive à un point où, en fait, coexister, ça veut dire régresser un petit peu à l'échelle du progrès. Alors, du progrès comme on l'a vu plutôt dans les années, enfin, au 19e siècle, 20e siècle, c'est-à-dire que plus on progressait en technologie, en énergie, en, en plein de choses scientifiques, plus on a mis la nature de côté. Et donc, plus la nature, en fait, le vivant, c'est devenu des animaux, des humains. Et aujourd'hui, on se retrouve à dire qu'en fait coexister, bah, c'est reprendre ce sauvage, bon qui reste euh, très, très peu, quoi, 3% de la masse vivante sur Terre pour, euh, je, euh, je sais plus les, en fait, sans doute euh, mm -hmm. ouais, un truc comme ça. Donc c'est infime. Et donc là, je pense que pour le grand public, alors le grand public, même s'il aime beaucoup les animaux, euh, moi j'entends parfois en conférence euh, sur des faucons cresselles, euh, sur des églises, j'entends, euh, oui oh, mais ils sont dégueulasses, et ils, font, ils font des crottes sur l'église. Et donc c'est pour les grands prédateurs. Mais on entend pour des faucons donc un rapace quand même, qui est un très bel oiseau. Euh, on peut se dire qu'il y a un patrimoine même naturel fort. C'est beau d'avoir un faucon-cresserelle sur son église. Donc ça vaut pour plein de taxons en plus, vraiment plein de choses. Et je crois qu'il y a vraiment cette sensation de régresser pour les gens. C'est comment on leur dit qu'en fait, le progrès, aujourd'hui, c'est pour régresser. C'est cette interrogation-là qui est compliquée. Quoi. Euh, voilà effectivement ça pose la question de, de leur redonner un petit peu d'espace de vie je pense que ce que pour réagir à ce que tu dis adrien c'est et on en parlait un petit peu tantôt c'est de, de pouvoir remettre éventuellement des nichoirs chez soi de, de, de créer des espaces où les micro peuvent venir ou quelques rapaces également euh, c'est à notre échelle, effectivement, on est, on est limité dans ce qu'on peut faire dans notre petit jardin. Mais euh, en Belgique, on a beaucoup ça. Euh, des, de, on, on a euh, cette action en mai, tonte à l'arrêt, euh, justement pour essayer de, de laisser la, ben, la, la vie, enfin euh, les, les insectes, euh, pouvoir se développer dans une période qui est cruciale pour eux. Et, euh, et on voit quand même que ça. Alors, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. De toute façon, on ne peut pas imposer ça aux gens. Euh, mais euh, mais on voit que ça, ça suit euh, en tout cas il y, y a pas mal il de plus en plus de jardins où on laisse une partie où, où on n'y touche pas euh, on peut compter les fleurs enfin il y a des grandes euh, des grandes campagnes pour euh, pour compter les, les fleurs compter les, les insectes qui euh, qui sont dans le jardin c'est c'est déjà une part de conscientisation du, du grand public qui se fait déjà en Belgique et euh, voilà. Après, je ne sais pas comment ça se passe en France, s'il si, euh, pousse un peu ce genre d'initiative. De, de, mais, euh, mais voilà, ça commence à démarrer euh, en Belgique. Je pense qu'on euh, est assez fier de ça. D'ailleurs, j'en profite. On a un public. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a Pénélope, tantôt, qui parlait. Qui <laughs> s'est transformé en Olivier. Voilà, bref. <laughs> hum. Oui, non, mais par rapport justement à tous ces petites, ces petites choses qu'on peut mettre en place pour protéger la faune autour de chez nous, etc., la pose de nichoirs, le fait bah, de, de laisser les moineaux accéder à notre maison parce que les gens ont tendance à, à lisser les façades maintenant, etc. En fait, on a, avant, on avait des maisons qui étaient des petits écosystèmes en fait, avec des chauves-souris dans le toit, avec euh, avec des murs poreux, avec des araignées, avec des des choses. Et en fait, maintenant, on a tendance à lisser les façades. On veut qu'il n'y ait rien qui rentre. On veut des maisons aseptisées. On veut euh, en fait, mine de rien, ben, ça, ça nous coupe complètement aussi le lien. Euh, on a, voilà. Et, et on, a, on accepte beaucoup moins ça, en fait. Et, et c'est dommage. Et, et pour ça, les, ben, les, les moineaux. Hein, pour moi, c'est un peu l'exemple typique. Tu parlais des cresserelles. Moi, c'est un peu le moineau, un peu mon, mon emblème de, de, de ça, quoi, de coexister justement du thème. C'est un peu le moineau, parce que le moineau, ben, il a énormément régressé en France. Avant, c'était l'oiseau qu'on voyait partout. Euh, ah les moineaux, bah c'est vrai, bon ils, ils ont fianté sur ma, ma voiture, euh, ils vivent sous les tuiles, ils me sortent la laine de verre, c'est chiant. Enfin voilà. Mais à côté de ça, les moineaux, bah, c'est la vie dans un petit village quoi. Euh, forcément, euh, s'il n'y a plus de moineaux, bah, c'est hyper silencieux quoi. Enfin enfin voilà. Lié avec justement ces, ces, ces problématiques que le moineau, bah, du coup, bah, les jeunes sont insectivores. Et donc, bah, forcément, euh, il faut aussi qu'il y ait un environnement aussi qui soit propice sans euh, pesticides. Euh, parce que voilà, ça a un impact énorme, sans aussi pollution lumineuse. Parce que les moineaux, en fait, ils sont super sensibles à la pollution lumineuse. Je l'ai appris il y a quelques années. En fait, euh, la pollution lumineuse rend euh, les moineaux stériles, à terme. Et, ouais, et donc, en fait, ils n'arrivent plus à se reproduire. En plus, avec ça, si, si on compte que les jeunes sont nourris avec des insectes remplis de produits chimiques, euh, le fait qu'ils ont du mal à trouver des matériaux aussi pour nicher euh, de, de, voilà, de, de la laine, de, enfin, de certains animaux, etc., en ville, plus les façades des maisons, il n'y a plus de trous dans les murs pour qu'ils puissent nicher, etc., ça fait beaucoup, quoi. Et donc, euh, donc voilà, euh, moi, c'est un petit peu euh, mon petit mot, c'est. Euh, le moineau est très symbolique, je trouve, de, de, de notre rupture en fait euh, avec, euh, avec le monde du vivant, euh, que ce soit en ville ou même à la campagne. Parce que le moineau, voilà, c'est le moineau domestique, parce que le moineau friqué malheureusement, est encore en plus mauvaise posture que le moineau domestique. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu le symbole de, de ça pour moi, quoi. Voilà, plus de moineaux dans nos vies, quoi. <laughs> mais c'est vrai qu'on a peur. Fin... Enfin, autour de chez nous euh, des fois on, on voit quelques moineaux on se dit bah enfin voilà ils sont là enfin euh, euh, moi j'en ai près de chez moi on se rend pas forcément compte qu'il y, qu y en a moins parce qu'on les entend quand même un petit peu euh, mais c'est vrai qu'on entend que les populations diminuent mais euh, on, on en voit on en voit quelques uns donc il euh, y a une sorte euh, est -ce que, je pense qu'on a aussi un petit peu parlé euh, cette am, cet amnésie euh, de, des, des espèces Nicolas il parlait tout à l'heure de, de du, du progrès et de mm -hmm. ces derniers siècles, ces dernières décennies qui nous ont vu nous développer, qu'on a appelé le progrès social. Et c'est surtout une, une zone de confort qu'on s'est créée et qui aujourd'hui se, se retourne contre nous parce qu'on n'arrive plus à voir cette altérité animale euh, comme un, ou cette altérité biologique comme euh, des composantes d'un grand tout dont on dépend. On est beaucoup sur l'aspect nuisible, sur l'aspect euh, euh, voilà diminution de notre confort parce qu'un moustique nous pique, parce qu'un moineau tire la laine de verre, parce qu'un renard reprend une poule de temps en temps. Et autrefois, il y avait ce bon sens paysan quand même qui, qui laissait davantage de place à ce qui pouvait euh, éventuellement nous déranger occasionnellement, mais on était quand même beaucoup plus conscient euh, du rôle de chacun. Et il y avait un vivre ensemble bien plus développé qu'aujourd'hui. Euh, et, et bien sûr que l'ultra urbanité qu'on connaît. Euh, dans, dans, notamment dans nos pays euh, soi-disant développés. Euh, à menuiser la part du sauvage qui peut s'y insinuer. Alors, on a des commensalismes très poussés qui se développent chez certaines espèces, et tant et si bien que, on risque d'en parler juste après, mais certaines espèces se sont ultra adaptées à nos milieux, mais elles ont déserté les milieux naturels et elles sont quasiment, pour certaines, plus habituées à, à les fréquenter. Et ça, ça pose une question dans notre responsabilité, notre habitat, effectivement, qui doit faire absolument une place aux, aux vivants demain plutôt que de s'en éloigner. Oui. oui. Ah, une question. Oui. Merci. Moi, j'ai une question. Je suis un peu perdu par rapport à la, à la notion de forêt parce que c'est vrai que euh, depuis plusieurs années, on dit que l'Europe le, et la, la France, en tout cas, n'ont jamais été euh, aussi boisées. Et euh, moi, j'ai l'impression de voir beaucoup, effectivement, de plantations de d'épicéa, de Douglas, etc. Alors, est-ce que, enfin, euh, qu'est-ce qu'une forêt Est-ce qu'une forêt, c'est une plantation d'arbres ou c'est un ensemble, un groupe d'arbres, ou alors est-ce que c'est tous les éléments de qui qu l'accueillent en fait Parce que c'est vrai qu'on a tendance à, c'est pas vraiment clair. Alors, ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est vrai que c'est des statistiques qui ressortent souvent de dire que la France n'a jamais eu autant de forêts que, que ces dernières années. Mais la France n'a jamais autant aussi commercé de bois à travers le monde. Aujourd'hui, on va même jusqu'à vendre du bois précieux en Asie. Et comme tu le dis également aussi, il y a beaucoup de monocultures. On coupe parfois des forêts avec des essences différentes pour après, en plus, replanter une monoculture. Donc, en fait, ça n'a aucun sens parce que dans une forêt de monoculture, il n'y a pas vraiment de vie elle n'est pas adaptée, en fait, à l'environnement dans lequel elle pousse. Moi, je vis, euh, je vis dans le Jura, donc c'est vrai que, par exemple, je travaille sur une espèce comme le lynx, qui est très indexé euh, à la bonne santé des forêts. Il faut des forêts anciennes, variées. Et je vois, là, depuis... Je, pourtant, je vis dans le parc régional du Jura et je vois, depuis quelques années, euh, les coupes de bois, c'est infernal. C'est tout le temps, partout. Et j'ai des endroits où je voyais énormément euh, d'animaux euh, sur mes pièges. Les années passées, euh, beaucoup de passages, notamment de lynx aussi, ou même les, les lynx, donc les grands prédateurs, ont déserté parce qu'en fait, les proies ont aussi déserté ces parties de forêt parce qu'il y a trop de coupes de bois en permanence. Et ce qu'on est en train de faire, c'est complètement fou et ça n'a aucun sens. Donc euh, il faut vraiment, justement, comme tu l'as très bien souligné, c'est de ne pas se fier forcément aux chiffres parce qu'en fait, entre des chiffres et des faits réels, des fois, il y a un, y a un vrai gouffre en fait. au-delà de ça, est-ce qu'une monoculture artificielle d'arbres, c'est une forêt Non. <laughs> que, enfin, quels sont les éléments qui définissent une forêt Est-ce que c'est aussi l'humus Est-ce que c'est aussi Bien sûr. Les, la biodiversité non, non euh, et une, enfin. une une culture euh, d'arbres, c'est un champ d'arbres. C'est un champ. C'est un champ. En plus, les, les conifères vont avoir tendance à les épines de conifères quand elles tombent au sol, elles vont avoir tendance à, à, à acidifier le sol. Donc, euh, et puis, ben voilà, les conifères c'est quand même assez dense, ça ne perd jamais les feuilles, donc forcément ça assombrit aussi beaucoup le sol. Ça empêche qu'il y ait d'autres espèces végétales qui se développent. L'humus, c'est de ben, humus avec les aiguilles qui se dégradent très mal. Euh, c'est, enfin voilà, c'est un humus très très pauvre en fait finalement. Et, euh, et donc moi, je travaille beaucoup sur la réserve naturelle de l'étang de Cousseau en Gironde, qui est euh, immergée. C'est une réserve naturelle magnifique qui essaye de faire de la forêt diversifiée, mais qui est immergée dans, bah dans, <laughs> dans les Landes, quoi. Donc euh, on connaît tous un petit peu en France, en tout cas cette problématique de, de, de monoculture euh, dans les Landes. Et, euh, et ils essayent de montrer en fait qu'on peut très bien euh, avoir de, de l'exploitation forestière dans des forêts diversifiées, donc pour le coup dans des vraies forêts, pas dans des champs d'arbres, pas dans des monocultures, et en montrant que voilà avec une sélection de d'arbres qui est beaucoup forcément qui demande peut-être plus de temps, peut-être plus de technique parce qu'on prend pas une grosse machine pour tout couper à ras et qui demande de la voilà de la sélection, de la connaissance des, des, des essences, des du de, stade, différents stades, etc. Et on peut, enfin voilà, ils montrent très bien qu'en fait ils y arrivent. Et, euh, et à côté de ça, bah, du coup, moins de pression aussi de chasse sur les cervidés, parce que les cervidés ont un impact sur les monocultures, parce qu'ils vont manger les jeunes pousses, etc. Et donc, euh, bah, des cerfs qui font la sélection euh, des, des essences, euh, qui participent du coup à cette, euh, à, enfin, voilà, à cette euh, enfin, diversité forestière finalement. Et en fait, bah, voilà, ça, ça peut marcher. Quoi. Après, forcément, bah, ce n'est pas. Euh, c'est peut-être pas du, du, du gros rendement de bois qu'on va exporter en Chine, etc. Ça va être plutôt ben, du bois un petit peu plus, plus cher, peut-être plus précieux, peut-être plus. Voilà. Mais, euh, mais peut-être aussi plus intéressant euh, d'un point de vue euh, éthique, euh, écologique, quoi. Je vais juste répondre ah ouais. sur la forêt des Landes, là, parce que c'est un sujet hyper intéressant. C'est un million d'hectares, c'est la plus grosse, grande forêt, en tout cas euh, le plus grand boisement d'Europe de l'Ouest. Euh, c'est très intéressant parce qu'il y a des, des initiatives de. De diversification de cette forêt qui ont vu le jour. Alors il y a les de cousseau, mais qui est une zone de marais, donc c'est pas si évident que ça. Que de voilà exactement il y a la forêt du nerf. Et puis il y a, puis, euh, il y a euh, des parcelles, notamment des parcelles militaires comme le camp de Capsieux, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, euh, qui ont euh, qui ont recréé la lande originelle. Donc euh, les landes c'était pas une forêt, c'était un grand marais. Et, euh, et il y a des initiatives comme ça qui, qui visent à rediversifier les plantations et, et qui n'en exclut pas euh, l'exploitation temporaire, euh, faire non pas des coupes rases mais des coupes sélectives et avec des bois qui sont sont plus valorisés parce que les arbres ont plus le temps de grandir, euh, se nourrissent différemment, sont pas en compétition avec leurs clones. Voilà, c'est ça, c'est très intéressant. Et on assiste comme ça à une, une, une sorte de réensauvagement raisonné qui n'exclut ne, pas complètement l'activité humaine parce mm -hmm. que c'est souvent ce qui est reproché à ces initiatives. Voilà, non, mais tu as dit pas mal de choses que je voulais dire donc. Euh... <rire> <Psst>. <rire> Ouais. Donc forêt. la question était de, ouais. de savoir qu'est-ce qui définit une forêt. Une forêt, clairement, tu vas avoir des arbres divers, plusieurs essences, 4, 5, etc., différentes, avec différentes strates arbustives, de la mousse, des herbes, herbacées, des grands arbres, et surtout, pour avoir une bonne forêt qui fonctionne bien, il euh, faut peut-être du bois mort, des vieux arbres. S'il n'y a pas de bois mort et de vieux arbres, il va y avoir une régénérescence très compliquée, parce que les sels minéraux ne vont pas retomber dans le sol. Donc une vraie forêt... As plusieurs essences de plusieurs strates différentes et avec des âges différents, et le but c'est de laisser vieillir tout ça. Si tu une forêt gérée où tu as tous les arbres dès qu'ils ont 40 ans, 50 ans sont coupés, c'est pas une vraie forêt. Faut vraiment en fait en soi une vraie forêt, c'est une forêt auquel on n'y touche pas trop. Quoi. Moi j'aimerais bien compléter tu vois, ouais. pour moi euh, la forêt égale écosystème. l'écosystème. L'écosystème c'est son biotope ouais. et sa biocénose. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé d'animaux, un peu, mais tu vois, c'est vrai que pour mettre en lien le bois mort, le bois qui grandit, euh, les champignons, il euh, ben y, y a les êtres vivants, il y a les sangliers qui vont retourner le sol, qui vont planter les glands, euh, en fait, à force de fouiller le sol, il y a les écureuils qui vont oublier aussi euh, euh, les noix, etc. Et des composeurs de matière aussi, tout à fait, les microphones. Tout à fait. Avec les mammifères, les oiseaux aussi, les microphones. Et là, tu vois, ce, que, ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose la question c'est quoi une forêt enfin, C'est ouf et euh, on se dit aussi, bah, les moineaux, on oublie qu'ils étaient là, on, on parle des espèces qui disparaissent le plus, et en fait, bah, c'est des espèces communes. Là, dans le rapport du WWF, euh, les espèces qui perdent en, en masse, alors c'est vraiment, un, leur, leur chiffre, il est assez conceptuel, c'est-à-dire qu'on parle de masse, de population d'animaux. Oui, c'est compliqué pas de, pas de à point. percevoir, mais concrètement, même dans les populations communes, il y a de moins en moins d'individus. Et euh, même sur du, alors non pas le rouge-gorge par exemple, mais plutôt le moineau ou les lapins de Garenne. Et euh, moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est cette question d'oubli. On ne sait plus en fait. Euh, euh, et alors c'est un truc, euh, alors, je ne sais plus d'où ça sort exactement. C'est s'appelle l'amnésie environnementale ou l'amnésie écologique. Okay. On, on perd en fait cette référence du, du normal. Qu'est-ce que c'est le normal Des espèces qu'on est censé voir ou pas Et en fait, euh, ce qu'on voit, c'est que d'une génération à l'autre, on oublie. Euh, et en fait, on, on ne se transmet plus les connaissances de base environnementales. Je parlais du bon sens paysan. Alors, c'est même pas forcément du bon sens paysan, parce que je bon, parle de ce sujet-là. Mais les grands-parents, avant, ils avaient des oiseaux qu'ils voyaient au balcon, que nous, on voit plus du tout, et ils nous transmettent plus cette information, ou alors de moins en moins. Et ce qu'on disait dans la table ronde d'avant, c'est euh, on protège ce que l'on aime, un truc comme ça, et on aime ce qu'on connaît. Donc, euh, il y a cette question de la connaissance. Comment lutter contre l'amnésie environnementale Il faut produire de la connaissance. Il faut se parler. Et je pense qu'on reboucle avec ce que tu disais au départ, parce qu'en fait, faire des nichoirs et tout, c'est une manière de pratiquer l'environnement, d'essayer de, de lutter contre l'oubli. Et voilà. Et de coexister. Et coexister. Voilà, pour coexister, en fait, il faut lutter contre ça. Et pour revenir du coup un peu sur la faune des jardins, il faut savoir que en Belgique et en France, tous les jardins, mis bout à bout, c'est quand même une surface énorme. C'est vraiment incroyable. Si chaque personne qui avait un petit jardin, un petit, un petit espace, planter des espèces locales, des essences, des plantes, euh, faire un petit muret en pierre, ou ne serait-ce que creuser une mare, ou mettre des arbres fruitiers. Et bah, rien que ça, parce que maintenant on a énormément de faune qui dépendent maintenant que de nos habitats à nous, et bah, ça augmenterait énormément les espèces. Euh, les gens, ils aiment bien les papillons, mais ils n'aiment pas les orties. Mais pour la plupart des papillons, il faut des orties. Euh, ne serait-ce que laisser un tout petit bout du jardin un peu en friche, bah, si tout le monde faisait ça, bah, ça exploserait en termes de biodiversité, et on reverrait des espèces qu'on considère comme rares. Qui autrefois était commune et on pourrait arriver à les refaire communes à nouveau, mais ça faut que chacun s'y mette un petit peu. c'est Ne pas penser qu'à son confort à soi, mais aussi à celui de l'autre. Et pour ça, il faut apprendre de la biologie de, de cette altérité. C'est ça. Et penser aux générations futures aussi. Planter des arbres pour les gens, pour les, euh, les gens de demain. Ouais, douche bah là, là d'où je viens dans les Deux-Sèvres, là, on est en train de vivre une énorme rupture écologique puisque nos, euh, nos anciens, en fait, faisaient ce qu'on appelle le troniage, donc ils coupaient les arbres en tétards, ce qui fait que l'eau stagnait sur le dessus de l'arbre, finissait par s'infiltrer dans l'arbre. Euh, après, avec tout ça, forcément, les, les champignons, les, les, les insectes, euh, du bois commençaient à rentrer dans l'arbre, etc. Ça créait des pleins de micro-habitats au sein de l'arbre. Les cavités devenaient de plus en plus grandes, donc les mammifères, les jeunettes, les chouettes en profitent énormément. Et actuellement, en fait, on est en train de perdre cette tradition du trognage. Et en fait, les gens ne, ne plantent plus d'âmes, ne les coupent, ne coupent plus en trogne, parce que maintenant, bon, on chauffe à l'électrique. Voilà, on n'a plus cette, cette, euh, cette volonté de, de couper les têtes des arbres pour récupérer les branches. Pour euh, soit bah, faire de, euh, de, de la nourriture pour, euh, pour, les, pour les bêtes, parce qu'on donnait aussi de, des branches aux bêtes, euh, voilà, des rameaux, euh, on, voilà, le bois de chauffage, etc. Et en fait, là, en ce moment, euh, bah, les... ça ne se fait plus. On ne plante plus, on ne, on ne coupe plus en tétar Et nos vieux arbres, qui sont des chênes têtards, des frênes têtards, bah, sont en train de. Il voilà, y en a encore plein qui sont morts, encore sur pied, creux, ou alors ouverts par la foudre, etc. Et, et quand ça, ça va disparaître. Ça, c'est vraiment le patrimoine, de, le patrimoine naturel de chez moi. Pour moi, c'est vraiment notre naturalité. Bocagère se retrouve dans ces vieux arbres. On a des espèces qui sont patrimoniales, qui sont ancestrales, dont euh, le pic prune, qui est, qui, est, qui, est, qui est un insecte incroyable, qui est un peu l'espèce parapluie autour de ces vieux arbres-là. Et en fait, avec la perte de nos traditions liées à notre paysage, on est en train de perdre nos espèces qu a, qui étaient là depuis... Euh, qui s'était adapté euh, qui, fait, Oui, euh... c'est ça. En fait, pour le, pour le dire, en fait, les, le pic-prune, c'est un insecte relique des forêts primaires. En France, les forêts primaires, euh, c'était il y a un petit moment. Donc, pour vous dire, c'est vraiment des, 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 des symboles qu'on est en train de perdre en ce moment. Et donc, il y a des gens qui commencent à, à se battre pour pouvoir replanter des tétards, refaire du trognage. Et reprendre en fait les, les, les pratiques euh, que, fin, voilà, culturelles, agricoles de, de nos, nos grands-parents en fait, plutôt paysanne. Je préfère le terme paysanne parce que ça va bien avec le. C'est plutôt ceux qui font le paysage en fait. Et ces arbres-là, c'est vraiment notre paysage. Alors je ne sais pas si vous en avez en Belgique des arbres comme ça. Oui, on a des arbres têtards. Euh, voilà. Effectivement, j'en ai un dans mon jardin. Ah génial. Euh, <laughs> J'oublie de le tailler. J'ai pas <laughs> le temps. Désolé. Mais, mais j'y penserai du coup. Et effectivement, il est, il est, il est bien creux. D'ailleurs, je me demande comment est-ce qu'il fait pour tenir debout. Mais, euh, mais il est bien creux et donc euh, merci pour l'enseignement. Je vais le tailler plus souvent. <laughs> mais voilà. du coup c'est vrai que ça, ça monte bien. Euh, parfois on, on veut opposer à tort le, le naturaliste et, euh, et, euh, et la campagne mais en fait on voit quand même que les espèces se sont adaptées, qu'elles vivent en communion avec, avec ce pastoralisme avec, avec, avec la campagne en général. Oui, et pour rejoindre Léa, c'est vrai que ce que ça montre aussi tout ça, c'est qu'on peut être parfois en confrontation avec ce besoin de gestion. Parce qu'en fait, on, on l'a aussi un peu pointé du doigt, c'est euh, cette volonté de, de gérer le milieu qu'à l'humain. Effectivement, on peut avoir des... Euh, des, des tendances ou des dynamiques négatives sur l'environnement et à la fois voilà là tu parles de, des arbres têtards moi ça me fait tout de suite penser euh, à l'époque euh, en Savoie où, où je suis on a ce qu'on appelle les arcos qui sont des petits arbustes en montagne assez en altitude et effectivement c'était exactement la même chose on, on allait couper les rameaux euh, pour se chauffer en fait euh, en alpage et en fait bah, évidemment il y a quand même de moins en moins de, de personnes qui sont à l'alpage et qui se chauffent euh, au bois et donc en fait les milieux se referment et en se refermant, en fait, toutes les espèces dont on parle depuis tout à l'heure, pour nous, ce sont des symboles et ce sont des, des, des indicateurs de, de l'état de santé des milieux hein, et, et finalement de notre état de santé à nous. Euh, et là, pour le coup, ça va être bah, le tétralyre qui va en pâtir euh, parce que le, le milieu sera fermé et ce ne sera plus du tout propice pour l'accueillir euh, sur le milieu. Et des exemples comme ça, en fait, malheureusement, effectivement, on en a énormément. Euh, la question que j'ai envie de poser, c'est euh, dans, ces, dans cette volonté de, de gestion, qu'est-ce qui va être euh, finalement bénéfique aujourd'hui est-ce que euh, le réen sauvagement, euh, ça peut être quelque chose de pertinent de, de quelle manière euh, ça peut être pratiqué Je sais qu'à Cousseau notamment, euh, vous pratiquiez le réen sauvagement. Euh, ce il oui, y a pas plusieurs types de réen sauvagement. Est-ce que c'est euh, simplement laisser euh... La nature euh, se débrouiller comme, comme elle-même, on voit que c'est pas forcément la, la solution. Euh, ou est-ce que en fait il faut accepter qu'on doit coexister et que on a aussi notre notre, on est peut-être le jardinier en fait de, du monde, quoi. Bah, je veux juste dire que bas souvent on dissocie l'humain à la nature, mais on est une espèce comme les autres et l'humain tout ce qu'il construit, tout ce qu'il fait, bah, en soi, ça fait quand même partie de la nature. Euh, on a eu forcément un rôle parce que l'humain voilà ça fait millions d'années, enfin des milliers d'années, avec la société, on commence à, à créer des nouveaux environnements, du coup, les espèces ont aussi évolué par rapport aux environnements qu'on a créés. Euh, en soi, la plupart de la nature, si on disparaît, ils s'emporteront très très bien, ça, il n'y a pas de souci. Mais la nature, elle déteste le vide. Donc il y aura forcément des espèces qui évolueront, certaines peut-être recréeront peut-être de nouveaux écosystèmes, etc. Euh, et euh, l'humain, il a un rôle à jouer dans la nature, c'est sûr, on en fait partie. Donc, le fait qu'on crée des habitats, c'est en soi naturel. Mais laisser aussi des endroits sans intervention humaine, parce que la plupart des espèces animales, elles ne sont pas présentes partout sur le globe. Nous, grâce à notre on dit, intelligence, le fait qu'on ait créé des outils dans l'évolution, ça nous a permis de survivre à la plupart des milieux. Donc, on a pu aller un peu partout. Mais il y a en fait un équilibre à essayer de trouver. Et ça, cet équilibre-là, bah, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Il y a des zones qu'il faut laisser sauvages pour laisser les animaux tranquilles, sachant qu'aujourd'hui, bah dans les seules zones un peu tranquilles, bah ils ne sont pas si tranquilles que ça. Parce que par exemple, dans la moitié des espaces naturels, il y a de la chasse. Donc, ce n'est pas si tranquille que ça pour eux. Euh, donc, il y, y a des choses à gérer pour certaines espèces qui sont très spécifiques, qui aujourd'hui, bah sans nous, auraient beaucoup de mal, mais il y a des zones vraiment qu'il faut laisser tranquilles. Et après, bah on peut peut-être euh, parfois... Euh bah des fois, en fait, on, on, quand, quand, quand on a perdu un milieu, enfin, quand on a, on a détruit plutôt un milieu, euh, je pense à certaines zones humides, etc., euh, bah, on perd avec, avec elle énormément d'espèces. Et au final, quand on restaure, quand on renature euh, un milieu, quand on, on, on refait les méandres d'un du, cours d'eau, quand on, on permet voilà, à, une, à une forêt de se rediversifier, etc., en fait, on voit que la nature est très résiliente. Mais parfois, ça ne suffit pas. Euh, parfois, euh, une fois que l'espèce est disparue du, du site, eh ben, elle est disparue. Et voilà. Et, et des fois, on a des, des bonnes, des bonnes, quand même, des bonnes nouvelles. Hein. Euh, J'ai une petite anecdote sur une une mare qui était, enfin, il y a 100 ans dans un dans des carnets naturalistes sur une petite mare chez moi, il y avait un naturaliste qui avait marqué fluetonagant, qui est une petite plante qui est ext extrêmement rare. Il y a des eaux très, euh, voilà, claires, etc et qu'il y ait aussi euh, à un certain... Euh, euh, il faut que les vaches elles passent sur les côtés de la mare pour que ça remue un petit peu la terre, etc. C'est une espèce un peu pionnière, quoi, aquatique. Et, euh, et en fait, cette, cette plante avait complètement disparu. On n'avait on plus aucune station dans aucune mare, et tout, c'était fini. Et au final, on a, on a recreusé une mare, qui, 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 voilà, un endroit où on, on pensait qu'il y en avait eu une il y a très longtemps. Et en fait, euh, bah, un an après, la plante a réapparu. Parce qu'il y avait une banque de graines dans le sol. Et les, les graines sont très, euh, sont voilà. Donc en fait, euh, on peut donner des petits coups de pouce des fois à la nature. Et à Cousseau, là, ils ont ils ont réintroduit un, un petit un petit bousier qui s'appelle le Scarabaeus laticollis. Donc qui est un bousier rouleur de pilule. Voilà, c'est vraiment les petits bousiers, l'image qu'on a du petit bousier qui roule sa petite boule de crotte là. Et euh, et en fait, euh, c'était une espèce qui avait complètement disparu. Enfin depuis, depuis 60 ans, elle avait complètement disparu. Et il y a, y a encore des, fo des foyers de population euh, dans le sud de la France. Et on est allé chercher des petits bousiers. Il y a eu un programme hein, de rewilding. Hein. Tout ça, ça ne s'est pas fait comme ça. On est allé chercher des bousiers, on les a lâchés. Non, non, c'est un truc très carré, scientifique, etc. Et euh, on les a marqués avec un petit point de couleur sur chaque, etc. Et on les a relâchés euh, euh, sur la réserve naturelle de l'étang de Cousseau, où ils ont les milieux. Et en fait, euh, ils ont euh, un troupeau de vaches marine-landaises n'est pas traité en fait et ça c'est super important parce que ce, ce, ce bousier là est super euh, comment sensible, dire, euh, sensible ouais sensible, sensible. Aux, aux produits euh, bah, voilà, ouais, euh, vétérinaires quoi et, euh, et donc euh, et donc voilà et là ils ont des super bons résultats ils ont eu de la repro, ça y est et tout euh, de ce petit bousier là donc en fait des fois en donnant un petit coup de pouce à la nature quand même alors après je sais pas c'est philosophiquement je sais pas on a chacun nos, nos voilà est ce que c'est jouer à l'apprenti sorcier de faire ça, est-ce que bah, quand ça marche, au final, on est super content. Il y a eu plein de, de réintroductions en France euh, du, du peut-être du mouflon, je crois, euh, de, de vautours dans certains coins, etc. Qui ont super bien marché. Maintenant, on est super content de les avoir retrouvés ces animaux-là. Donc, euh, je sais pas. Est-ce que philosophiquement, je sais pas ce que vous en pensez vous, en tout cas. Un avis contraire. Parce qu'il en faut. Bah oui. Non, important. non, enfin, je pense que le réensauvagement, ça peut être un, un super outil, à condition d'être vraiment encadré euh, Voilà, dans des, dans des programmes scientifiques avec beaucoup de prospectives, hein, vraiment de se poser des questions. Euh, tu parles de cryptozoologie, je, je sais dans ton travail un petit peu euh, ça t'intéresse, et je pense qu'il y a un petit peu de ça, donc se poser des questions sur qu'est-ce qui a pu exister, euh, pourquoi, comment. Et moi, j'ai fait de la restauration écologique. Euh, J'ai refait justement du remandrage de cours d'eau dans une vie professionnelle euh, passée, en, en, en baie algue verte, donc en plus avec euh, un gros sujet euh, agricole euh, vraiment tendu. Et moi, je me suis senti un petit peu euh, à piloter ces travaux de remandrage où on remet dans le talweg en fait des cours d'eau. Les cours d'eau, ils ont été déplacés euh, dans l'histoire euh, récente agricole, hein, dans, les, dans les 80 dernières années, même avec plutôt le rebond, rebond agricole. On a déplacé les cours d'eau pour qu'ils aillent sur des limites. Euh, parfois de communes. Pour agrandir sa commune, on déplaçait le cours d'eau. Où les agriculteurs ont fait à une époque pour augmenter leur rendement. Et ça donne plein de problèmes. Il y a des, il y a des parcelles inondées, euh, des nappes qui sont complètement dysfonctionnelles avec des inondations. Euh, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas comment. Euh, pour les poissons, il y a plein de sujets, euh, de problèmes. Ils ne peuvent plus remonter les cours d'eau. Beaucoup, beaucoup de sujets. Et moi, j'ai vu euh, des techniciens où je me suis ressenti, en tant que qu'ingé euh, sur le milieu, à être un peu plein de pouvoir sur ce qui se passe. Et en, enfin, pas en le faisant au doigt mouillé, puisqu'on le faisait avec des, des analyses, euh, mais c'était quand même de la prospective. Il y avait un pari, un peu. Et cette question du pari, moi, aujourd'hui, elle me pose question. J'ai pas l'impression d'être dans Jurassic Park, mais c'est pour grossir le trait. C'est-à-dire, bah, on y va, on fait un truc de dingue, on va prendre des bisons dans des trains, on va traverser la Russie et on, on va les renvoyer. On espère que ça va marcher. Donc ça c'est mon premier point. Enfin c'est vraiment une sensation hein. parce que je ne connais pas assez vraiment en fait le rewilding euh, scientifique. À quoi ça correspond À quel point c'est poussé Je suis sûr qu'il y a des trucs vraiment super. C'est plutôt un point d'intention. Et le deuxième c'est que c'est un petit peu la peur que ça devienne aussi un outil capitaliste en fait. C'est que, que ce soit un petit peu euh, une activité économique euh, de faire du rewilding. C'est plutôt une, un point d'intention d'attention. Je me dis euh, il ne faut pas que ce soit pour créer une zone, pour en tirer du bénéfice économique. Il enfin, faut que ce soit fait pour vraiment un intérêt écologique, patrimonial, de conservation ou même de, de réintroduction pour relancer. Je me dis, il bah, y a des endroits où. Est-ce que ce n'est pas pour accueillir des touristes Est-ce que ce n'est pas pour faire des tours je sais, En fait, je ne sais pas, mais c'est un point de, de peur. Et il y a Ça aussi... peut nous dépasser. Ouais. Pardon. Il y a aussi une grande question aussi euh, qu'il faut également se poser, c'est qu'on parle depuis tout à l'heure de réensauvagement ou de même de réintroduction, mais il y a tout un travail en amont y a à faire auprès de la population locale souvent pour pouvoir arriver à faire une bonne réintroduction. Il y, a, il y a un exemple aussi qui est très intéressant, par exemple dans les Vosges, dans les années 2000, ils ont réintroduit une vingtaine de lynx. Tous ces lynx sont sont morts, euh, la plupart braconnés ou, ou par collision routière. Donc en fait, c'est pas si simple. Il y a tout ce travail aussi d'arriver à intégrer euh, voilà dans une nature déjà existante, des espèces qui n'y sont plus, dans une société humaine qui n'a pas forcément ni l'envie ni la place pour eux. Et ça, je trouve que c'est un vrai travail peut-être au, au niveau associatif ou de communication avec, avec les gens des régions concernées. Et, faut, et pour moi, c'est la, la base avant toute réintroduction, c'est de faire accepter par l'homme l'arrivée de, 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 de nouvelles espèces, en fait, d'espèces qui étaient là avant mais qui ont disparu. Pour moi, là, le point dont tu parles, c'est vraiment un sujet important dans, dans les rapports du GIEC. Donc, vraiment un autre sujet, hein, vraiment au climat, donc qui n'est pas forcément toujours lié, un petit peu quand même. Dans le rapport du GIEC, il y a deux infos. Il y a vraiment le travail avec euh, les ethnies, je ne sais plus le terme qu'ils utilisent en anglais exactement, mais je crois que c'est ça, c'est les ethnies, en tout cas les, les populations locales, donc le réensauvagement. Et, euh, et ils parlent, il y a un mot qui revient souvent dans le GIEC, c'est trade-off. Et je crois que c'est pour dire un peu compromis entre les sujets. Que parfois, Restaurer la nature ou travailler pour la nature, c'est aller contre les habitants. Donc parfois, euh, voilà, euh, par manque d'explications. Euh, si on remet en eau, par exemple, euh, un ancien étang, on... il y a de, des prairies qui sont, enfin voilà, il y a ça. Et puis a la lutte contre le réchauffement climatique vs euh, la nature. Et parfois. Ces deux sujets qui sont vraiment qui nous pèsent sur les épaules, nous on vit tous les jours, je pense vraiment avec ces deux sujets en tête. Et parfois il y a des compromis entre les deux sujets. Parfois il faut choisir entre sur un sujet précis, eh ben, lutter contre le réchauffement climatique, ou plutôt garder un endroit biodivers. Et là tu parlais par exemple pour les moineaux des, des vieilles maisons. C'est un vrai sujet dans mon département dans les Yvelines, par exemple, c'est que. Euh, on veut des bâtiments énergétiques euh, euh, propres, quoi, hein, A à B, et donc mm -hmm. il faut refaire les maisons. Et donc, en fait, il tous les. Passoir énergétique, comme on dit en Belgique. Ouais, euh, bah, je crois qu'on dit euh, ouais. pareil, rénovation énergétique. Et en fait, il n'y a il y a plein d'espèces qui sont amenées d'individus même plutôt que d'espèces. C'est des chouettes qu'on connaît, c'est des voisines, et eh qui sont amenées à disparaître parce que leur gîte va disparaître. Et donc euh, enfin, moi c'est un gros sujet chez nous, c'est la disparition de la chouette effraie. Il y a des associations qui remettent des nichoirs pour lutter contre ça. Donc on efface des maisons pour la rénovation énergétique des bâtiments et on dit fait disparaître des, des espèces, donc euh, chauves-souris, donc toutes celles qui vivent dans, les gîtes, dans ces gîtes là. C'est marrant, c'est compromis en fait entre les sujets. Tout peut pas avancer toujours en même temps. Il euh, y a des petits choix et c'est. Voilà. Au, au compromis fait souvent écho le raisonné. On parle aujourd'hui d'agriculture raisonnée, de réensauvagement raisonné. Tout ça, c'est en intégrant la donne humaine, puisque non, il n'y a plus de forêts primaires en France, il euh, n'y en a plus beaucoup en Europe. Euh, même les forêts dites primaires dans le monde, je parle de Papouasie, du Congo ou d'Amazonie, euh, mmh. sont des forêts euh, au moins euh, en partie jardinées par les peuples premiers qui les habitent. Donc non, enfin, aujourd'hui on pense que l'homme a un impact sur à peu près tous les milieux, y compris les abysses, y compris des, des microplastiques aujourd'hui sur les, les neiges éternelles à l'étage nival de nos montagnes. Euh, donc euh, aujourd'hui effectivement il faut intégrer la donne humaine et à la fois intégrer une nouvelle donne biologique sauvage tout en questionnant qu'est-ce que le sauvage, qu'est-ce que la biodiversité chez nous aujourd'hui avec bien sûr ce que nous avons causé comme changement en elle-même. Et on parlait des espèces invasives, de ces exotiques qui font aujourd'hui partie de la biodiversité alors c'est bien beau de vouloir les exterminer mais aujourd'hui on est passé à un stade un peu différent c'est à dire on ne peut pas les retirer du milieu on ne saura pas de toute façon il voilà, faut composer avec eux et ça rejoint un peu le, le, la question le, le propos lié au réensauvagement c'est que réensauvager c'est bien mais qu'est-ce que le sauvage et quel sauvage on est prêt à accepter demain il y a un exemple qui est intéressant comme ça, notamment en Inde, avec le projet Tiger. Je crois que c'est dans les années 70 où ils ont, c'était, il restait peut-être 1500 tigres sur la planète. Je crois qu'il y avait 75% de la population qui est restée en Inde. Et puis ils ont ouvert tout un tas de parcs nationaux comme ça un peu partout. Et puis finalement, ces forêts se trouvaient à proximité de zones encore habitées. Donc il y avait des, ce qu'on appelle des buffer zones, des zones tampons autour des forêts où il y avait encore des habitants. Et petit à petit, le gouvernement indien a un peu chassé ces habitants. Donc ça allait à l'encontre de l'intérêt des hommes et puis on a on a on a fait en sorte que la population de tigres se développe ça mène aussi à des accidents je crois qu'il y a à peu près 80 morts euh, euh, par an un en Inde femmes. sur des attaques de tigres mais pour y être allé là-bas et pour avoir travaillé avec le milieu associatif indien notamment ça remonte hein, ça remonte à 2014-2015 euh, c'était très intéressant de voir que la population locale aimait vraiment le tigre et avait un rapport presque tel une divinité avec le tigre et j'ai trouvé que c'était très intéressant moi il m'a été amené d'interviewer un un monsieur qui a avait perdu sa fille de 18 ans, donc qui fait partie de la caste des intouchables, donc des gens qui n'ont rien. Et c'était sa fille la, la plus âgée qui avait fait des études et qui était censée nourrir la famille dans les années qui allaient venir pour, voilà, pour assurer le bien-être de, de, de tout le monde. Et en fait, il avait vu, du coup, sa fille se faire attaquer par un tigre dans son jardin et se faire tuer par un tigre. Et en fait, la politique à l'époque, c'était quand un tigre attaquait un être humain, c'est que souvent il était abattu. Et en fait, ce monsieur-là, en discutant avec lui, m'avait dit Enfin, pas qu'à moi, mais aux gens qui étaient présents, qu'en fait, lui, il avait milité pour que ce tigre ne soit pas tué. Et c'était trois ou cinq ans après, je ne sais plus, après l'attaque, quand je l'ai rencontré le tigre était toujours en vie et cette personne avait eu des mots assez magnifiques en me disant mais les tigres étaient là avant nous et on doit les respecter j'ai trouvé que c'était quelque part une certaine résilience et une vraie leçon de vie pour nous occidentaux qui avons tendance à tout vouloir contrôler et en fait ces gens qui vivent quasiment avec rien avaient ce pouvoir là de dire bah en fait les tigres sont présents et on doit leur laisser une place j'ai trouvé que c'était vraiment très beau d'entendre ça de la part de quelqu'un qui avait, qui avait perdu du un membre sacré. de sa famille mm -hmm. Euh, C'est super ce que tu as partagé. Ça me fait penser à une actualité que Léa m'a partagé tout à l'heure. Et peut-être je vais pointer du doigt la façon dont, dans les médias, en tout cas en Europe et en tout cas en France, on, on traite ce type de sujet. Euh, peut-être que médiatiquement, tu vois, là-bas, il n'y a pas eu une flambée, une envolée de la communication sur ce tigre qui a attaqué cette jeune femme et que lui a, eu, comment dire, a pu accueillir aussi ce deuil différemment de par sa culture et, et autres. Et euh, par exemple, en France, là, bah voilà. Dans, dans nos volontés de réintroduire la faune sauvage, on, il y a eu le, le vautour fauve. Et il y a quelques temps, il y a eu un jeune vautour fauve qui aurait attaqué une, une, une dame de 86 ans assez affaiblie. Euh, et ça, médiatiquement, tout de suite, s'est utilisé. Euh, c'est les grands titres, c'est la faune sauvage, euh, nous dérange, euh, va tuer les enfants dans les jardins, euh, va manger vos chats, enfin, je parle évidemment de toutes les espèces et pas uniquement du vautour fauve hein, quand je dis ça, mais c'est vrai que vraiment médiatiquement, je, par... je pense qu'il y a une énorme part de responsabilité dans cette façon euh, qu'on qu peut... Ensuite, avoir d'accueillir ou pas justement ce, ce sauvage euh, à nos portes. Euh, là, je pense que clairement, par exemple, la situation en France, euh, notamment pour le vautour fauve, ça va être ça va être délicat, quoi. Peut-être que même euh, la, la, la tête de cet animal va être mise à prix et que ça va faire, euh, euh, voilà, le, les, les rumeurs de tous les cafés euh, de, de, des villages de montagne, quoi. L... Vas-y. Ouais, ouais, l'oiseau, euh, le, le... c'était un juvénile, du coup, hein, pour expliquer un petit peu la situation, euh, un juvénile qui avait un petit peu, euh, bah pas trop trouvé à manger quoi et euh, qu'il y qui a eu un comportement déviant voilà c'est anecdotique ça reste en marge euh, vraiment euh, ces oiseaux là ne font pas ça hein. <laughs> franchement c'est une première quoi et euh, et je pense que bah, forcément comme tu dis c'est tout de suite euh, voilà euh, quelque chose euh, voilà et, et on a tout de suite peur que ce soit le début de quelque chose euh, de, de comportements euh, euh, voilà qui peuvent se répéter etc L'oiseau est, est recherché. Hein, pour, euh, voilà. euh, je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire a priori. Ils voudraient essayer de le mettre en, en volière, essayer de lui réapprendre un petit peu des comportements plus... Euh plus normaux pour un vautour, quoi, de, de charronnière et de nettoyeur de la nature. Euh, mais euh, mais c'est sûr que euh, des, des, des histoires comme ça, ça fait un peu comme les histoires un peu que nous racontaient nos anciens, quoi. Euh, ah euh, euh, oui voilà, tu sais un peu euh, dans la dans la forêt, euh, voilà oui, les, les légendes. légendes un petit peu qu'on avait euh, de nos de nos anciens. Euh, ah mais les lézards, il euh, y en a il y en a des venimeux, ce genre de truc qu'on pouvait entendre, des trucs complètement un petit peu. Euh... Ben, en fait peut-être que des fois il <laughs> y a eu des animaux comme ça qui ont qui ont eu un comportement déviant et qu'on qu fait sûrement beaucoup parler dans les petits villages et c'est resté de génération en génération, sûrement en se déformant parfois aussi un petit peu. Euh, et donc euh, c'est sûr que les médias ont un énorme euh, rôle là-dedans, puisque là tout de suite, bah, forcément, il y, eu, il y a eu 10 000 articles sur ce, ce, ce vautour. Euh, voilà. une, inf une influence Oui, une influence même en fait ouais. sur notre façon d'accepter le, le sauvage justement à nos portes. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que ça influence totalement euh, euh, la volonté de, de, des citoyens derrière. quoi. Mais est-ce que philosophiquement, moralement aussi, ça ne nous ramène pas finalement à des temps immémoriaux où on a toujours eu peur de la bête sauvage, des grands prédateurs On sait toujours extrait finalement de la nature, parce qu'on a accepté de pouvoir manger les autres, mais on a toujours refusé finalement, c'est intrinsèquement lié à notre ADN, de ne pas être dévoré, parce qu'on a complètement oublié qu'on était un animal parmi les autres animaux. Et ça, je trouve que c'est Baptiste morizot d'ailleurs, qui disait, quand il faisait du, 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 du pistage de grands prédateurs, qu'il avait pris conscience que c'était un morceau de viande aussi lui. Et je trouve que c'est assez intéressant, en fait, de se rendre compte de ça. Oui, complètement. Les, les mots ont, ont beaucoup d'importance et tu vois, tu as, as dit bête et c'est vrai que c'est un mot qui va revenir tout de suite. Ce vautour a été titré de la bête. bête, quoi. Ouais, voilà. la, bête la, la bête est recherchée. Les mots sont très importants aujourd'hui et, et le public est très vite affecté, je pense, par, ouais. par, par ce genre de choses. Et et on, on doit y prêter attention. Quoi. Ouais. Et on parle des grands prédateurs, etc. Mais même aujourd'hui, franchement, il y a la plupart des gens. Une personne sur quatre est arachnophobe. Et même une petite araignée, en fait, bah des fois, c'est terrible, quoi, pour les gens. Et Je donc coexiste. Ouais, ouais. Ah bon Et donc coexister avec les animaux, c'est pas juste coexister avec les grands prédateurs et tout. C'est coexister aussi avec la petite faune qui peut être autour de nous. Mm -hmm. euh, moi j'ai été ultra choquée parce qu'il n'y a, a pas longtemps j'ai dû euh, j'ai dû enfin voilà j'ai eu le problème d'électricité chez moi donc j'ai dû faire ouvrir mon compteur électrique j'ai fait venir des électriciens et, euh, et, et en fait il et, je lui dis ah ben, moi j'ai une couleuvre verte et jaune d'un mètre 80 à côté de chez moi enfin voilà qui, qui habite dans ma maison quoi et euh, parce que j'ai une maison en granit en vieille pierre donc elle, elle vit dedans et je leur ai dit bon par contre on va peut-être la croiser quoi mais c'est ma grosse mère, c'est ma voisine elle est hyper cool n'y a pas de problème et là ils m'ont regardé avec des yeux, pourtant c'était des mecs qui faisaient deux fois ma ils étaient carrés et tout. Ils m'ont regardé avec des yeux, ah non non, hors de question, on rentre pas là-dedans, c'est mort. Enfin ils m'ont dit, non non, ils m'ont dit, si on la voit on la tue. Je dis, bah ben non, espèce protégée déjà, au niveau de la réglementation, on vaut mieux pas. <laughs> et, euh, et, et moi j'ai trouvé ça dingue quoi, parce que j'aurais dit, mais c'est pas venimeux, il n'y a aucun problème. Enfin j'essaye toujours de, voilà, de débunker et tout, mais ils m'ont dit, ah, non non, mais c'est physique en fait, on, on la voit, on, on lui met un coup de pelle. Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte aussi ça. et dire qu'aujourd'hui, la, la masse populaire a peur des grands prédateurs, des, des serpents, etc. Des Mais finalement, l'animal qui tue le plus au monde, c'est le moustique. Il faut toujours recontextualiser ouais. et faire prendre conscience aux gens. Il y a, il y a très peu d'attaques de requins dans le monde mortel, il y a très peu d'attaques de grands prédateurs, que ce soit des ours ou même des loups aux États-Unis. Je crois que c'est une tous les, je ne sais, je sais pas combien d'années. Donc il faut vraiment recontextualiser et ce qui tue le plus aujourd'hui, c'est les moustiques. Euh, ou l'humain. <laughs> ouais, pour le, le petit chiffre, il y a plus de morts par des noix de coco que par des requins. Voilà. Génial. Et eh bien, sur ces belles paroles, euh, du coup, non, mais... je propose de, de terminer cette, cette table ronde, la deuxième, du coup, et la dernière. Un grand merci euh, à vous, euh, en tout cas, de de nous avoir rejoints pour cette occasion. On était vraiment hyper contents. Euh, de, de, vous, de vous recevoir au festival. Un grand merci à Bouquet euh, qui a mis en place euh, tout le dispositif euh, pour euh, pouvoir retransmettre ces euh, petits lives euh, sur YouTube. Et, euh, et j'espère en tout cas à, à bientôt, euh, à très vite. C'était un plaisir de vous rencontrer. Et euh, merci pour toutes les réactions du public. Merci beaucoup. Merci.